Une autre question dans le même temps. Oui. Quelles sont les activités aujourd'hui qu'on peut faire justement avec nos enfants autistes et comment les faire? J'ai lu qu'il faut diversifier les actions et surtout diversifier les lieux où ils se déroulent ces actions-là. Est-ce que c'est vrai? Je parle au niveau de la maison, bien sûr, hein, pas à l'extérieur. Pour le début. Je pense que pour la stabilité, en fait, quand on introduit une activité pour un enfant, je vous ai envoyé quelques images. Quand on introduit une activité, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins de complications possible. Donc, il faut toujours garder en tête qu'on commence par quelque chose de simple et facile et rapide. Donc, simple, facile et rapide. Toujours se rappeler de ça. Donc, je lui fais une activité. Je commence pas par une activité de 1 heure. Je passe pas de 0 à 1 heure. C'est impossible. D'accord. C'est comme on demande à un chômeur. La première fois qu'il va travailler, il va travailler 24 heures. Vous comprenez? C'est exactement. Pour aller d'une manière progressive. Progressif et commencer par des choses faciles. Ça peut être juste, par exemple, ben voilà, à 9 heures, on commence un travail. Je peux l'installer, vous savez, ça coûte pas tellement cher d'aménager un petit coin de travail et ça va être toujours dans ce coin-là. Pourquoi je ne voudrais pas varier au début? C'est D'accord. parce que pour débuter, pour qu'il s'imprègne, vaut mieux ne pas apporter trop de variations, juste pour qu'il enregistre. Après, il y a d'autres méthodes. Mais c'est des outils spécifiques. C'est pas on décide de lui varier parce que surtout quand c'est pour le travail. Quand pour le travail on choisit un seul endroit. Je vous ai envoyé l'image d'une table avec des petites étagères qu'on met à côté, puis Voilà. on lui montre. C'est des étagères, t'as les légumes ou ce qu'on stocke, puis une toute petite table ou la mida ou la peu importe, un petit coin où je lui donne une succession de 3 activités. Ça peut être, moi je suis contre un peu des activités pédagogiques, de coloriage, je préfère plus des activités d'autonomie et de routine qu'il va voir et dont il aura besoin après. Ça peut être juste bouchonner 2 bouteilles. Je commence par 2 bouteilles que je mets dans un premier petit bac. La deuxième, La deuxième. c'est plier en deux une serviette. Et la troisième, je peux par exemple prendre des perles et les enfiler 3, 4 perles dans un fil. C'est vraiment des activités. L'idée, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais c'est le processus de à 9 heures, il va à tel coin, il prend le bac 1, le bac 2, le bac 3. Et une fois que c'est fini, donc je lui mets une image de travail, et je lui mets une flèche et je lui mets, parce que souvent on sait que maintenant les enfants ils prennent des iPads, des iPhones ou la télé, ben je lui mets toujours quelque chose de pas motivant qui va mener vers quelque chose de motivant. Donc comme il sait que c'est court, c'est facile, ensuite il va avoir ce qu'il aime. Mais ce qu'il aime, c'est pas un bonbon, etc. C'est une activité qu'il a, mais il ne l'aura pas tant qu'il n'a pas fait un travail. C'est comme nous. On travaille, ensuite on a un salaire, mais il faut qu'on travaille. On lui apprend progressivement à faire des choses et mériter une récompense. Et on augmente le temps. Au début, ça peut être juste, peut-être ça va prendre à peine 1 minute les 3 activités, mais c'est pas grave.
je répète, peut-être que c'est difficile, il ne va pas comprendre, etc. Plus on cède d'images, plus il va comprendre. Je répète le lendemain, puis une fois que je vois que c'est acquis, là, je monte soit en durée, en augmentant, je mets trois bouteilles au lieu de deux bouteilles, je plie la serviette en trois au lieu de juste deux, je lui donne une carotte à couper, je prends une chemise avec un seul bouton et je lui montre. Puis, j'ai un conseil à donner aux parents, c'est quand il apprend quelque chose, il faut toujours qu'il soit face à un mur ou face à, mais pas face à vous. Le travail un pour un où vous êtes face à face est très mauvais parce que comme il vous imprime avec l'activité, donc automatiquement, dans sa tête, cette activité nécessite votre présence. Donc, il va toujours vouloir que vous soyez là. Et c'est un peu l'inconvénient des anciennes méthodes qu'on appelle la BA, c'est du un pour un où il faut toujours un tuteur. Donc là, on modifie ces anciennes méthodes en se mettant derrière et puis on l'aide avec nos mains, mais sans qu'on soit dans son visuel. Puis on peut lui demander, ça c'est un geste que je recommande toujours aux parents, c'est de pouvoir demander de l'aide, « Aouni » ou « Aide-moi ». Et puis là, ça permet, à chaque fois qu'il il n'arrive pas à faire, je lui montre, moi, de loin, « Est-ce que tu veux que Aouni, qu'est-ce que tu veux que je t'aide ?» Puis je le laisse faire le geste et je ne l'aide que quand il fait le geste. Et ça, c'est un geste qu'il peut, quand il fait une crise dehors, plus tard ou à la maison, il faut toujours lui faire « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Il baisse en termes d'angoisse. Pourquoi ? Parce qu'il sait que vous êtes en empathie. Vous essayez de comprendre ce qu'il veut. Ça vous donne du temps pour gérer une situation difficile. Donc, il faut toujours lui donner le temps pour qu'il soit autonome. Donc, c'est pour ça que le face-à-face, c'est une méthode qu'elle a démontré en quelque sorte ses limites, c'est ça. Ah, exactement, et c'est normal, je veux dire, la BA date de plus de 50 ans, hein. C'est une ancienne méthode. Puis, en fait, c'était une méthode où on voulait rendre les autistes non autistes. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut respecter leur intelligence, respecter. On ne peut pas les rendre comme nous parce qu'on les fait souffrir juste pour qu'ils soient comme nous. Ils sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas avec nous bien. Il faut profiter de leur force, des choses qu'eux peuvent faire, que nous, on ne peut pas faire, et vice-versa. Ouais. Docteur, vous avez parlé des écrans. Est-ce que c'est positif ou négatif de... Parce que je sais que la plupart essaient de demander les écrans, donc les smartphones, les tablettes. Les micro-ordinateurs, est-ce que c'est conseillé de leur donner ça ou limiter leur accès à ces écrans ou comment vous conseillez En fait, d'abord, il y a une première chose qu'il faut rétablir, c'est que ce n'est pas les écrans qui induisent l'autisme. Donc, l'autisme est génétique, héréditaire ou non héréditaire, mais il est génétique, il est inscrit dans nos gènes. Et il est déjà conçu, donc l'enfant autiste, il naît autiste et il mourra autiste. Après, est-ce qu'il est, il va être fonctionnel ou non fonctionnel? C'est ça l'avenir un peu de... Donc, ce n'est pas les écrans qui induisent l'autisme. Par contre, les écrans sont dans des domaines de leurs intérêts, de ce qu'ils aiment. Et en fait, ce qu'ils aiment, c'est la régularité. Les écrans, il n'y a pas d'émotion. Parce que quand on interagit avec des personnes, en fait,
il y a des émotions dans leur tête qui font que on peut ne pas comprendre. Désolée, je dois juste charger. Donc, on peut ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Les écrans, il n'y a pas d'émotion. Tout est prévisible. C'est pour ça qu'il y a même des méthodes maintenant avec les robots, etc. Parce que, justement, il n'y a pas d'émotion. Et puis, vous allez remarquer que les autistes, si vous faites attention, s'entendent souvent avec des fois où ils sont plus structurés, des fois avec les pères, parce qu'ils sont sévères. C'est pas la sévérité, mais c'est la neutralité. C'est le fait de ne pas avoir trop d'émotions. Donc, ça ne vient pas encombrer leur tête, les émotions, parce qu'ils n'arrivent pas à les déchiffrer. Donc, l'iPad, les écrans, c'est quelque chose qui sont dans leur intérêt. C'est comme la polémique autour du dessin animé, là, Toyo Jenna. C'est juste que c'est des dessins animés où ils savent ce qui doit se passer et ça les rassure. Mais est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est comme pour tous les enfants. C'est pas bon parce que s'ils passent beaucoup de temps dans ça, eh bien, il ne pourra pas voir autre chose pour qu'il apprenne une autre façon de faire. Parce que s'il voit sa mère en train de plier quelque chose, c'est du visuel. Il apprend que pour ranger des vêtements, il faut les plier. Mais il faut qu'il le voie pour l'apprendre. S'il est sur sa tablette, c'est clair qu'il ne va pas voir autre chose. Il n'apprendra pas les gestes de la vie, et effectivement, il est dans sa bulle entre l'écran et lui. Mais c'est une bulle induite, c'est pas une bulle qui existe. Moi, ce que je dis, ça veut pas dire que s'il y a des parents qui laissent leurs enfants pendant 4 heures sur un écran, on peut pas passer de 4 heures à zéro. Mais il faut... Parce qu'il faut être réaliste. Qu'est-ce que ce parent, il peut faire qui soit réaliste? Donc, ben, je diminue 3 heures, mais je lui dis que pour que tu aies cet iPad, il va falloir faire quelque chose. Donc, cette période, elle est toujours précédée de quelque chose de moins motivant que j'aimerais qu'il fasse. Puis il est tellement motivé, c'est tellement dans son intérêt, eh ben, qu'il va faire la chose la moins motivante. Il va réaliser cette activité. Donc, en quelque sorte, les écrans ou les iPads ou smartphones seront en quelque sorte une récompense à un travail déjà réalisé par l'enfant autiste. Et puis, pour que ce soit réaliste, ben, durant les... l'enfant... pour que ce soit facile pour les parents, pour qu'ils puissent... Parce que moi, je n'aime pas donner des conseils qui sont théoriques, qui, une fois que ça arrive chez les parents, ils disent, je ne pourrais pas faire ça, je sais qu'on a besoin de se libérer, on est fatigué, il faut prendre cette réalité. Donc, je me dis juste que le matin... il faudrait qu'il fasse quelque chose de juste 10 minutes et je lui laisse. Ça, je parle pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre l'iPad toute la journée. Puis l'après-midi, je vais aussi placer un 10 minutes de quelque chose avant qu'il le prenne. Le soir, la même chose. La seule chose que je conseille, c'est d'éviter les écrans avant le dodo. Parce qu'on ne peut pas passer de quelque chose de très motivant, on l'enlève et on lui demande d'aller dormir. Il faut toujours précéder le avant le dodo, il faut toujours faire quelque chose qui est transité par quelque chose un peu ennuyante. Voilà. Ouais. D'accord. Pour favoriser le sommeil. D'accord. Je continue mes séries de questions et je saute sur l'occasion pour parler de la pédagogie de l'enfant autiste. Comment aujourd'hui, dans cette période de confinement,
on essaye de lui faire apprendre des choses, de lui inculquer des nouvelles choses pédagogiques, comment se comporter pour qu'il continue son travail pédagogique. Je pense qu'à mon humble avis, pendant ce confinement, ce qui va être plus facile et plus aidant pour le futur, c'est de ne pas rentrer dans les activités trop pédagogiques, c'est-à-dire, et quel que soit le niveau de l'enfant, hein, il peut être même dans une école, dans une classe régulière, etc. L'apprentissage des mots, du calcul, etc., il faut commencer par des activités utiles. C'est vraiment ça qui est important. Je peux vous montrer, par exemple, je vous ai montré l'image d'une commode. On va la partager de suite. Et ça c'est par exemple faire des activités de rangement des vêtements. Donc on prend une corbeille de vêtements on colle des images sur une commode pour lui montrer qu'il faut qu'il range les pulls dans un tiroir. Et l'idée c'est qu'on puisse vraiment lui apprendre l'autonomie. C'est vraiment ça qu'on veut. Ça serait peut-être aussi, vous avez une autre image où je mets des sets de table avec Là-bas. vous voyez? Vous voyez, en fait, ce genre de choses, ça permet qu'il puisse déposer, il sait où mettre son assiette, il sait où mettre son. Puis il pourra poser la table pour tout le monde. Profitez pour faire une routine du matin, puisque le conseil que je donne, c'est si on doit commencer à organiser avec des activités, on commence par des routines qui vont être transférables dans la période de non-confinement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me mets en tête, d'habitude, on sort de la maison pour aller à l'école, disons à 8h ou à 7h30, peu importe. Donc, je commence, la priorité, c'est de commencer à faire les routines, du réveil à 7h30 et que ça soit fixe. Comme ça, c'est de l'acquis. Quand on va reprendre notre vie normale, ça sera acquis et ça ne sera pas changé parce qu'on sera sorti du confinement. D'accord. S'il doit rentrer de l'école à 4 heures ou à 5 heures, eh ben, j'ai fait la routine du réveil à 7h30, ben, je vais faire la routine après. La deuxième priorité de routine, c'est de 4h30 ou de 5 heures jusqu'au dodo. Et là, ça me permet de me préparer à l'avenir, mais je lui donne des activités d'autonomie, c'est-à-dire apprendre à se laver, apprendre, mais seul, comme je vous dis, derrière, avec des images, et je lui apprends. Je ne peux pas, moi, me permettre de dire que mon enfant, il est brillant à l'école, mais qu'il ne sache pas s'habiller. Pour les garçons, qu'il ne sache pas se doucher tout seul. Ça ne va pas l'aider. Donc, et puis, on va voir que plus il peut être brillant, mais ne pas être fonctionnel en société. Et c'est malheureusement. C'est ce qui se passe pour beaucoup de familles qui ont des enfants, surtout les Asperger, qui sont verbaux, très fonctionnels. Mais pour les gens, c'est des génies, ils savent faire ça, ils savent parler plusieurs langues. Mais les parents, quand ils rentrent chez eux, ils sont seuls, ils voient les difficultés de l'enfant.
Parce qu'il n'est pas autonome. Oui, et c'est encore plus dur pour ces parents-là parce que c'est des génies à l'extérieur et à l'intérieur, c'est pas du tout des génies. C'est toutes les grandes difficultés. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit emporté par le fait qu'il soit génie ou qu'il sache parler plusieurs langues ou qu'il sache répéter plein de choses. Pour que moi, mon enfant, il soit heureux, il faut qu'il soit autonome. Voilà, c'est peu importe qu'il parle anglais, suédois, et s'il est malheureux, ça ne sert à rien. Tout à fait, tout à fait. Docteur, j'enchaîne avec une autre question, surtout que les enfants autistes ont d'habitude envie de sortir et de prendre l'air dehors et tout ça. Avec ce confinement, il y a de plus en plus de troubles de comportement chez l'enfant autiste. Et là, les parents, avec ce confinement, ne savent pas comment faire. Est-ce que vous avez justement des conseils dans ce sens à donner aux parents dans ces cas-là? C'est clair que, comme je vous dis, les troubles de comportement viennent soit d'une mauvaise compréhension, parce que on va toujours utiliser la parole au lieu de l'image. Et comme je vous ai dit la première fois, c'est que pour les choses qui sont frustrantes, il faut utiliser l'image. Donc déjà, on diminue la frustration. Elle ne va pas être diminuée rapidement, mais avec le temps, vu qu'on est confiné, il peut comprendre. On peut utiliser le sens interdit et la croix. Alors, il faut savoir comment les utiliser. Le sens interdit, c'est quelque chose qui sera toujours interdit. Ça sera frappé, c'est interdit. On ne peut pas frapper des fois et des fois non. Donc, c'est pour ça que, mais ne pas manger, ça, c'est pas un sens interdit, c'est une croix. Ça veut dire que maintenant, on ne peut pas, mais c'est en fait la croix rouge, c'est plus disponible, non disponible. La sortie n'est pas disponible maintenant, mais elle pourra être disponible. Donc, il faut savoir comment utiliser le sens interdit et la croix rouge. Ça peut être quand il veut quelque chose, prendre cette chose et mettre juste deux bandes rouges. Une fois qu'il a intégré, on le répète plusieurs fois, il sait que quand il y a une croix rouge, ça représente qu'il ne peut pas l'avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'avoir. Il va l'avoir après. Donc on peut, maintenant tu ne l'as pas, mais une flèche, tu vas d'abord manger, ensuite tu l'auras. Faire des flèches, et c'est vraiment être créatif en lui faisant, en ayant des symboles pour montrer ce qui est interdit, ce qui n'est pas disponible et quand il sera disponible. Donc ça diminue la frustration, ça améliore la communication. Maintenant, une fois que vous n'avez pas préparé tout ça et que la crise se déclenche, quand la crise se déclenche, il n'y a plus rien à faire. Il y a à laisser passer la crise dans un contexte le plus safe, le plus sécurisant possible. Et parce que, en fait, pour éviter la crise, c'est des choses à faire avant, comme je vous ai dit, des moyens de communication. Mais une fois que la crise est là, il y a juste à protéger l'enfant, à le laisser passer cette crise dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, c'est toujours de couper le sang. La pire des choses, c'est de lui parler au moment où il lui fait la crise. C'est vraiment pas le moment de lui dire pourquoi tu as fait ça. N'essayez pas de comprendre le pourquoi durant la crise. Ça ne sert à rien. Non seulement il ne comprend pas, il vous entend, mais il ne comprend pas ce que vous dites parce qu'il n'est pas disponible. C'est clair que s'il y a quelque chose, il casse des choses, puis vous avez une image de ne pas casser, ben
elle sera, il sera plus disponible à l'avoir pendant la crise que la parole. C'est, moi, je donne toujours cet exemple tout le temps dans les formations, dans les coachings. C'est que je leur dis, par exemple, si vous avez immigré en Suède, puis vous parlez suédois, mais si vous vous disputez avec quelqu'un, vous n'allez pas l'insulter en suédois. Vous allez l'insulter avec la langue arabe. Donc, c'est pour, parce que vous n'êtes plus disponible pour faire des efforts et d'utiliser la langue appropriée. C'est exactement ça, les enfants. Ils ne sont pas assez disponibles pour comprendre votre langue, mais si on a des images à portée de main, ils peuvent le comprendre. Donc, ne pas frapper. Il y a plein d'images, on pourra en parler, de ne pas frapper, ne pas cracher, toutes ces choses interdites, strictement interdites. Si on a ces images-là, et puis si à chaque fois qu'il le fait, on lui montre, il va comprendre. Il faut couper le son, donc c'est la première des choses. Arrêtez, essayez de vous mettre derrière, tout en bloquant par exemple son coude, le protéger de quelque chose qu'il peut cacher. Et il faudrait que ça soit une consigne à la maison, une seule personne gère l'enfant. Une seule. C'est vraiment pas le moment que la grand-mère arrive pour donner des conseils, des lilo hagda, ou là les frères, ou là les sœurs, même entre les deux parents. Celui qui se sent assez fort pour maîtriser la situation, eh ben c'est celui qui doit intervenir, et sans parole, sans vraiment l'encombrer. Si je ne suis pas capable, je ne suis pas bien, je n'ai pas l'humeur, ben je laisse son père ou son frère s'en occuper, ou celui qui est plus disponible.